Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Xenoplay Games. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Contraband Police, mais cette fois-ci, sur mobile. Vous avez bien entendu, Contraband Police débarque sur votre smartphone. Et ça promet du lourd. Alors attachez vos ceintures et on va explorer ensemble cette version mobile du jeu. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater une prochaine vidéo. Et surtout, like et partage cette vidéo avec vos amis, ça va aider beaucoup la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas Contraband Police, imaginez-vous dans la peau d'un garde frontière. Vous devez fouiller des véhicules, intercepter de la contrebande et prendre des décisions cruciales. C'est un mélange explosif de gestion, de simulation et d'action, et le tout dans un environnement ultra réaliste. Mais qu'en est-il de cette version mobile? Est-ce que l'intensité et le réalisme du jeu original a été bien transporté sur mobile? Première chose qui frappe, c'est bien sûr le graphisme. Franchement, pour un jeu mobile, c'est juste bluffant. On a cette impression d'immersion totale dans ce monde un peu gris et oppressant. Les détails sont annihilés, les textures des véhicules, les personnages, tout y est. Mais est-ce que le gameplay suit? Parce qu'on sait tous qu'un beau jeu ne fait pas tout. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, les commandes tactiles sont bien pensées. On trouve cette tension lorsque vous interceptez un véhicule. Fouillez les moindres coins à la recherche de contrebande cachée. Chaque inspection est un vrai défi et on sent vraiment cette pression de prendre la bonne décision au bon moment. Et pour 2024, qu'est-ce que cette version mobile nous réserve? Eh bien, les développeurs ont vraiment bossé pour apporter du contenu exclusif. On parle de nouvelles missions, des mécaniques de jeu repensées pour mobile et même des événements en temps réel. Ce jeu n'est pas juste un simple portage. Ils ont vraiment travaillé l'expérience pour qu'elle soit fluide et addictive sur mobile. Alors on va pas se mentir, il y a des points forts et des points faibles. Le plus grand point fort, c'est clairement l'immersion et le réalisme. On a vraiment l'impression d'être dans la peau d'un garde frontière. Et le fait de jouer sur mobile ou où vous soyez à n'importe quel moment, c'est juste énorme. Cependant, parfois le contrôle tactile peut être frustrant, surtout lorsque des séquences d'action rapides, surtout lors de séquences d'action rapides, mais ça reste un détail par rapport à l'expérience globale. Alors, est-ce que Contraband Police Mobile vaut vraiment le coup en 2024? Eh bien, c'est absolument oui. Si vous êtes un fan de jeux de réalisme et de simulation bien ficelés, pensez sans hésiter. Le jeu va vous tenir en haleine pendant des heures, que vous soyez en train de traquer des contrebandiers ou de réfléchir à vos choix éthiques en tant que garde frontière. C'est l'une des meilleures surprises mobiles de cette année et je suis certain que vous allez adorer. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo si vous avez aimé ce contenu. Et si vous voulez avoir plus de contenu, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent ce jeu ou ces jeux dans la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. Sinon, si vous avez d'autres propositions ou d'autres idées de jeu ou de vidéos. Sinon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la paix soit sur vous. Peace.